Salut, c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une des nouvelles maps du pack DLC Expédition de Titanfall. Donc, c'est la map que je préfère. Elle s'appelle Jeu de guerre. Je la trouve assez sympatoche. Alors, putain, je vais pas arriver à grimper. Alors, prends ça dans ta gueule, toi. Hop, voilà. Ah merde, je me suis fait sauter avec ma propre grenade. Mort de rire. Ça commence très bien comme d'habitude. Alors, désolé d'avoir été absent si longtemps de Titanfall, mais avec la chaîne, je suis constamment en train d'encoder des vidéos, ce qui monopolise pas mal mon PC. Et là, j'ai réussi à me mettre en jeu alors que je suis en train d'uploader une vidéo, ce qui me fait un ping de merde en général. Mais là, a priori, ça a l'air d'être assez jouable. Alors, toi, voilà, ça c'est fait. Voilà, donc c'est pas que j'ai abandonné Titanfall ou qu'au caisse, hein, c'est que vraiment les let's play, la chaîne me prennent beaucoup de temps. Malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Hop là, et hop, putain, j'ai loupé. Et je peux pas faire tout ce que je voudrais faire, malheureusement. BF4, c'est pareil, il faut que je m'y remette. Là, ça commence à me manquer sérieux. Ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas joué. J'ai fait une ou deux parties vite fait il y a une semaine, mais. Rien de vraiment intéressant et juste de quoi m'apercevoir que ça me manquait pas mal. Putain, allez, voilà. Donc, alors je sais pas vous ce que vous pensez de ce DLC. En tout cas, sachez que j'ai mis en ligne un test sur le DLC qui certes n'est pas tendre, mais est justifié à mon sens. Enfin, je vous laisse aller voir le test si ça vous intéresse. Encore une fois, le jeu n'est pas en cause, hein, c'est ce que propose en termes de contenu Electronic Arts et surtout Respawn, hein, parce que je pense pas qu'ils aient eu des contraintes de la part d'Electronic Arts. C'est bien joli toujours de s'en prendre à eux, mais ils sont pas responsables de tout non plus. Alors putain, allez, mange-toi. Voilà, putain. Alors là, j'ai passé ma première régénération, donc du coup je suis avec des équipements basiques et en plus ça fait un moment que j'ai pas joué, donc pardon si le gameplay n'est pas vraiment bon, faut que je reprenne ça en main tranquillement. Et en plus, comme c'est des nouvelles maps, je ne les connais pas, mais ça devrait le faire quand même. Ah putain, allez, merde, et puis j'en ai un sur le dos. Ah ouais, merde, chier. Bon bah tant pis, ça c'est pas grave, c'est fait. Alors, bah on arrive à être premier quand même, c'est déjà pas mal. Alors, on y retourne, toi. Ça touche pas. En même temps, je vise pas super bien non plus. Alors, hop, ça c'est du bot, on s'en fout. Ce que je voudrais, c'est du pilote. Et sur la minimap, il y en a un pas loin normalement. Alors. Je sais pas par où la prendre cette map, je la connais pas encore. Tiens, toi tu dois être. Voilà, non, c'était un soldat. Merde, je crois que c'était un pilote, il bougeait comme un pilote. Hein. Alors, j'aime bien l'atmosphère de cette map là. Ça me fait penser un petit peu à Tron, comme je le disais d'ailleurs dans le test. Bah, toi tu m'as pas loupé, bien joué. Ouais, il y a beaucoup d'idées sympas. Là, l'intro, j'ai pris en cours de route, donc on n'a pas vu, mais en fait, on monte dans le simulateur qu'on avait, qu'on a toujours d'ailleurs dans le jeu de base là, quand on faisait le tacticiel. Et en fait, là, on est dans une simulation. C'est pour ça qu'on voit des décors à moitié virtuels, qui est symbolisé par tout ce qui est. Au niveau des couleurs très flashy, tout ce qui est orange, tout ce qui est bleu ciel, etc. Et puis, donc ça c'est la partie pas finie du simulateur, on va dire, dans lequel on se trouve. Ah, toi, putain, putain, ah oh, putain, je l'ai pas eu. Ah, ça c'est mon ping de merde, là, parce que comme je suis en train d'oper un épisode de Dead Space en même temps, et que je voulais absolument quand même vous faire du gameplay sur ce pack d'extension. Déjà que j'avais loupé la sortie de Naval Strike et j'ai toujours pas eu le temps d'en faire. Et ça m'ennuie un peu. Mais bon, on va y arriver, il faut le temps, hein, c'est tout. Donc là du coup, bah tant pis si les performances sont pas géniales. Au moins vous aurez du gameplay. Et
Je pense que c'est le plus important, que vous puissiez voir à quoi ressemblent ces maps et comment on peut à peu près se débrouiller dessus. Sachant que je n'ai jamais prétendu être un grand joueur non plus, mais ça m'empêche pas qu'il est Oleg Gamer 2811. Ça c'est du nom qui tue, qui arrache, qui déchire. Alors ça c'est parti aussi, tant qu'à faire. Là je vous avouerai que je suis un peu excité comme une puce, donc je dis un petit peu n'importe quoi. J'aime bien aussi les artefacts qu'on voit là, qui laissent à penser que il y a un bug dans la matrice, hein, si je puis dire. Tiens, lui il a mangé correctement. Alors, oh putain, toi, dégage. Alors attends, bouge pas, c'est... Oh putain, merde. Oh, je me suis fait baiser. Ouais, non, putain, ça se sent quand ça fait longtemps que t'as pas joué, hein. Ça se sent quand même, hein. Putain, la vache, ça pardonne pas. Et puis, mais voilà, l'essentiel, c'est de s'amuser, hein. Moi, c'est ce que j'aime dans les jeux, c'est m'éclater. Après, si les performances sont bonnes, tant mieux. Si elles sont pas bonnes, c'est quoi ce bordel? Ah d'accord, il y a un trou. C'est ça que c'est bon. Allez, c'est reparti. Donc, pourquoi ils ont été mettre un truc comme ça au milieu de la map? C'est juste pour faire chier le monde. Alors, hop, ça, c'est fait. Toi, hop, merde. Putain. Alors, il y a combien longtemps que j'ai pas joué? Dites-moi... si côté de cheater ça s'est calmé un peu ou pas. Là j'ai pas l'impression sur celle-là que il y en ait. Mais j'ai oui dire qu'il y en avait toujours pas mal qui traînaient. Alors vrai ou faux, à vous de me le dire. Hop là. Je vous laisse me tenir au courant pour ce genre de truc. Mais normalement, ils devaient être bannis systématiquement quand leur cheat était détecté. Pas bannis, envoyés sur des serveurs spécifiques. Donc, aurait-il trouvé une parade ou pas? Alors, ouais, c'est vraiment les parties les plus jolies, moi, je trouve, là, ces parties-là, là, les parties du décor qui font un peu penser à Portal, d'ailleurs, aussi. Alors, là, lui, on va essayer de l'empêcher de s'enfuir. Donc, a priori, on est arrivé à la fin de la partie. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vais mettre en ligne aussitôt derrière là, les gameplays des autres maps. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres choses qui, j'espère, vous plairont. Bye.